Pourquoi Ichigo de Bleach s'appelle Ichigo? Bleach en est à son 64e volume en France et à son 69e volume au Japon. Il entame sa 15e année d'existence. Mais vous êtes-vous demandé un jour d'où venait le nom du héros de Bleach, Ichigo? Les noms de personnages ne sont pas anodins dans une histoire. Il faut toujours qu'il y ait un sens caché ou non. Imaginez un jour que sur un coup de tête, vous appelez votre héros Hémorroïde. C'est pas très beau et surtout, on ne veut pas imaginer quelle tête il peut avoir. Pour Ichigo, c'est pareil. Tite Kubo a réalisé un jeu de mots entre Ichigo, Ichigo, Ichigo. Mais quelle est la différence? Eh bien, Ichigo en japonais veut dire fraise. Donc oui, Ichigo de Bleach est une fraise agréable à regarder et très sucrée au goût. Si on découpe le nom, on obtient Ichi et Go. Ichi en japonais veut dire un ou le premier. Et Go en anglais veut dire aller partir. Du coup, ça donne le premier à partir, d'où son tempérament impulsif. Mais en japonais, Go veut dire aussi protéger. Et Ichi peut se définir comme un garçon. Donc Ichigo est le garçon protecteur. Ses parents lui ont donné ce nom pour qu'il puisse protéger sa famille et son entourage. Comme quoi, par son unique prénom, Ichigo montre toutes les facettes de sa personnalité. D'ailleurs, petite anecdote, Ichigo était le nom du défunt chien de l'auteur Tite Kubo. L'auteur dit que son chien vient souvent lui rendre visite dans les rêves, là où il puise le plus de ses idées. D'ailleurs, j'ai bien envie de me faire une petite fraise là. Mais elle est où? Un Shinigami me l'a chippé. Qu'il ramène pas sa fraise.